Agenda bien chargé pour Barthélémy Kassa. Après un long périple dans les villages de l'arrondissement de Tantega, l'élu de la 3e circonscription électorale marque un arrêt à Matéri Centre. Ici également, le cap ne varie pas. Convaincre les indécis à rejoindre avec assurance et sérénité le navire rupture. Parce que Matéri a toujours suivi le développement et non un individu. C'est pour ça, pendant 10 ans, on a suivi Yahi Boni. Quand il disait à gauche, on allait à gauche, oui ou non? Oui. Quand il disait à droite, on allait à droite, oui ou non? Oui. Voilà, aujourd'hui, c'est Patrice Talon qui est le moteur du développement. Et on nous demande de dire autre chose. Est-ce qu'on va accepter de dire autre chose? Est-ce qu'on va accepter de dire autre chose? Biti. Biti, jamais. C'est Patrice Talon ici, à Matéri, ou personne. Pour Barthélémy Kassa, la politique de développement du régime Talon est bien celle indiquée par les chefs d'État qui se sont succédés à la tête de la nation béninoise. Aucun pays ne peut plus compter sur une économie biaisée, sur une économie précaire, c'est-à-dire basée sur les ressources naturelles, les ressources du sous-sol, qui ne sont pas des ressources renouvelables. Tous les pays qui avaient leur budget centré sur ce genre de ressources, aujourd'hui en souffrent. Talon a bien compris et dit, comptons sur nos propres forces. Le comptons sur nos propres forces là, ça veut dire qu'on doit payer mieux d'impôts. On doit assainir nous-mêmes notre environnement. Nous n'attendons personne. On ne comprend pas pourquoi, après avoir entendu Kérékou parler, après avoir suivi Yahi Boni de la dictature de développement, aujourd'hui, Talon fait les réformes, nous faisons le waya, 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 waya. Après Matéri Centre, la délégation met le cap sur Nodi, Tchankossi et Gwandé.